Bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du mois de juin. Ça y est, ça va être le dernier épisode avec ce décor, puisque dans un peu plus de 3 semaines, j'aurai changé de maison. Bon, ça va peut-être aussi un petit peu reporter le prochain épisode, mais quoi qu'il en soit, je suis au rendez-vous ce mois-ci pour vous parler donc des nouveaux projets tricot qui ont pu s'achever. Donc avant de vous parler de ça, je voulais faire un petit aparté et remercier Fabienne de Charlie Hebdo qui a gentiment organisé un petit tricoté de départ. Alors bon, c'est pas toujours évident de coïncider les emplois du temps, donc c'est vrai qu'on était assez peu nombreuses, mais c'était vraiment très très sympathique et ça m'a fait vraiment plaisir de faire un petit peu au revoir. Alors, quand je dis au revoir, de toute façon, c'est pas parce que je déménage que je ne vais plus voir les gens, mais c'est vrai que ça, les occasions vont être forcément beaucoup plus rares de se voir. Bien que je pense que du coup d'être à Lyon, ça va sans doute m'inciter à davantage faire les événements sur Paris et du coup me permettre de remonter un petit peu. Plusieurs fois dans l'année au niveau de Paris et de toute façon ayant encore de la famille et de la belle famille dans la région Nord-Pas-de-Calais, je vais aussi remonter de temps en temps. Alors pas forcément là où j'habite actuellement, hein, je serai plus du côté de Cambrai, mais voilà, je pense qu'il y aura encore des occasions pour que je vois, je rencontre, je participe à des tricotés dans le Nord. Et c'est aussi l'occasion de découvrir les tricotés qui a plus lieu dans la région lyonnaise. Donc ça sera à organiser progressivement et à moi de trouver de participer à ce qui existe déjà là-bas avec plaisir. Donc voilà, et donc lors de ce petit tricoté, Fabienne, elle m'a offert un petit cadeau que je voulais vous montrer. J'espère qu'elle m'en tiendra par rigueur, mais je le trouvais tellement mignon. Puis voilà, c'est vraiment bon enfant. Donc elle m'a offert un petit mouton sur lequel on attache des épingles là, c'est pas des épingles, je retrouve plus le mot. Voilà, vous savez ce que c'est. Donc je vous le montre quand même. Je vais le sortir de sa petite boîte parce qu'il est vraiment chou. Et j'avoue que je sais pas si je vais mettre des choses dessus ou si je vais simplement le poser en déco. Voilà. Mouton tout blanc, tout mignon. Ma fille l'adore parce qu'en plus il y a un aimant à l'intérieur, donc elle le prend et c'est les maracas. Donc je le range éviter qu'elle me le pète dès tout neuf comme ça. Donc voilà, mais ça fera partie donc de mon je le mettrai dans ma nouvelle pièce spéciale consacrée au tricot. Et peut-être à la couture, puisque ça c'est un pro... excusez-moi pour le bruit. C'est un projet qui est vraiment sérieux, enfin voilà, qui est sérieux, mais bon, en même temps c'est il n'y a rien d'extraordinaire. Hein, mais voilà, maintenant que j'ai effectivement, à mes yeux, atteint un niveau au tricot qui stagne, je veux dire, bon ben voilà, il n'y a plus vraiment de patrons qui me font peur, j'ai essayé quand même énormément de techniques. Je vais faire du jacquard, même si j'ai jamais fait un projet vraiment très compliqué au jacquard, mais je pense que bon voilà, si du jour au lendemain je voulais faire du jacquard à 3-4 couleurs, j'arriverai à le faire, même si ça me mettra peut-être un peu de temps, etc. Voilà, la dentelle, les points texturés, les constructions de toutes parts, voilà. Il n'y a absolument plus rien qui m'effraie à partir du moment où c'est un patron qui est bien expliqué. Je ne dis pas que je sais tout faire, mais à partir du moment où on m'explique, où il suffit de trouver une vidéo, enfin voilà, j'ai pas l'impression de pouvoir encore vraiment progresser au tricot. La seule chose qui pourrait peut-être m'apporter, ce serait éventuellement de changer de technique. Moi, je tricote le fil dans la main droite, voilà, je lâche mon aiguille, enfin, il y a absolument pas, c'est absolument pas optimal, mais ça m'empêche pas de tricoter vite. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup pour moi de changer de technique? Je pense que ce qui me ferait changer de technique à plus ou moins long terme, c'est si un jour je commence à attraper des douleurs avec cette façon de tricoter. Parce que de temps en temps, c'est vrai que quand j'ai des périodes un peu plus intensives au tricot, j'ai des douleurs dans le pouce qui apparaissent.
Donc, à mon avis, c'est qu'effectivement, la façon dont je tiens mes aiguilles et mon fil n'est pas non plus la plus ergonomique du monde et qu'au bout d'un moment, j'ai mal. Surtout si c'est des points un peu particuliers, des points texturés où on n'arrête pas de changer le fil de sens devant, derrière l'aiguille. Et là, en l'occurrence, ça va rapidement développer des douleurs au niveau de mon pouce gauche. Du coup, c'est bizarre, hein, c'est mon pouce gauche qui, ça me fait mal au niveau de mon pouce gauche. C'est celui qui tient l'aiguille. Mais voilà, à part ça, j'ai vraiment pas de perspective particulière au tricot, à part continuer à me faire plaisir avec les projets qui me font de l'œil, avec les belles laines, etc. Donc, bon, le fait de changer un petit peu tout ça et d'avoir surtout, parce que c'est ce qui me manquait jusque-là, d'avoir vraiment un coin dans ma future maison qui va vraiment être consacré à un coin atelier. Donc pour tout vous expliquer, en fait, c'est une chambre, on a la possibilité de faire une chambre d'amis qui est quand même relativement grande. Donc voilà, il y aura un lit, enfin, en l'occurrence c'est un canapé-lit. Donc à côté, il y a largement la place de faire un coin avec des bureaux, du rangement, et du coup une possibilité de laisser une machine à coudre sortie. Ce que j'aurais pas pu faire dans cette maison-ci. Donc rien que la perspective de devoir à chaque fois tout ranger à la fin d'un projet, enfin même si le projet n'est pas fini, à la fin du temps consacré aux loisirs qu'on s'accorde dans la journée, si c'est 1 heure, c'est 1 heure, si c'est 2 heures, c'est 3 heures, bah voilà, c'était forcément pas engageant pour moi. Là, le fait d'avoir tout qui pourra rester sorti. Voilà, c'est un point supplémentaire, hein, qui était important pour moi pour me dire, allez, maintenant, je passe pas à autre chose parce que je veux pas dire que je vais arrêter de tricoter, bien au contraire, mais voilà, je peux me consacrer à l'apprentissage cette fois d'une nouvelle discipline et c'est forcément la couture qui me vient en priorité parce que c'est ce qui complète le mieux le tricot. On peut faire du crochet, on peut faire. Mais tout ça, ça ressemble assez fort au tricot. La couture, pour moi, c'est vraiment le parfait complément au tricot, puisque bah, voilà, ça permet vraiment de se faire tout, à part les chaussures. Mais un jour, peut-être qu'on fera de la cordonnerie, les filles. voilà, ça permet vraiment de se faire tout. Donc voilà, je me renseigne un petit peu sur quelle machine acheter. Il faut savoir que je suis vraiment au niveau, mais alors au niveau zéro de la couture, je ne sais rien faire. Je connais pas les termes, je connais pas les tissus. Si je connais les noms, mais je sais pas à quoi ça correspond forcément. Est-ce que ça implique au niveau au niveau de la couture. Je connais pas les marques, je connais pas les machines, je connais pas bien les patrons. J'en ai vu passer forcément hein, parce que à suivre des tricoteuses qui cousent, pardon, aussi, bah forcément, je vois passer des choses. Mais voilà, je suis au niveau zéro. Donc, j'hésite à prendre carrément des cours. Maintenant, c'est un budget à consacrer. Je sais qu'il existe 2-3 vidéos sympathiques, notamment une vidéo gratuite, il me semble, sur Artisan. Je crois que c'est Amélie qui en a parlé, Happy Sweet Peach. Et puis je me renseigne aussi sur avec quelle machine débuter. Évidemment, je ne vais pas mettre 3000 euros dans une machine en commençant. Hein, bah, voilà. J'avais pensé simplement à la Lidl, qui est quand même conseillée par pas mal de personnes pour débuter. Elle est très bien parce que voilà, elle fait tout ce qu'il faut de base. Elle n'a pas l'air compliquée. Mais j'ai aussi entendu parler d'une broseur, pas entrée de gamme, mais enfin, quoique si, peut-être que c'est quand même une entrée de gamme, qu'utilise une de mes collègues qui débute aussi en couture, qui en est très contente. C'est une marque que je sais quand même relativement fiable, donc voilà, peut-être. Mais voilà, n'hésitez pas si vous voulez me conseiller, sachant que j'aimerais quand même éviter de dépasser les 200-300 euros pour une première machine à coudre. Surtout que la Lidl, elle est à 80, donc c'est quand même un peu dommage d'aller mettre beaucoup plus pour pas avoir forcément beaucoup plus de fonctions. Alors là, c'est vraiment pour débuter. Si je vois que la couture me plaît, que je vois que vraiment j'ai envie d'y consacrer du temps et tout ça, bah, dans 2, 3, 4 ans, je changerai de machine à ce moment-là. Mais voilà, on y va progressivement. Hein. J'ai pas commencé à tricoter avec des yaya directement, hein, même si on n'est pas sur les mêmes budgets. Mais voilà, j'ai commencé avec des aiguilles droites en bambou, hein, comme beaucoup. Et puis après, ben, on développe ses préférences et puis tout ça. Bon, voilà, donc ça c'est un objectif, nouvelle maison, nouvelle passion. Mais donc ça sera pas avant minimum, je commencerai pas à toucher à une machine avant septembre.
Peut-être même que ça sera pas avant 2019 parce que voilà, le temps d'arriver, le temps de se poser, il va y avoir plein de choses à faire dans la maison. Donc je vais pas. Ça sert à rien que j'achète la machine là si c'est pour pas l'utiliser pendant 6 mois, quoi. Et voilà, ça c'est quand même mon prochain objectif. Voilà. Je reviens sur, sur ce dont je suis capable de faire pour l'instant, à savoir les projets tricot. Donc, depuis le mois dernier, j'ai terminé 2 projets, 2 pulls, et j'ai commencé plusieurs petites choses. Je suis vraiment au tout début de certains encours, donc je vais vous les montrer, mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire ni à vous faire voir. Il y a un gros flop dont je vais vous parler aussi, et puis bah, les achats, puisque lors du tricoté de Fabienne, c'était samedi dernier, oui, il y a quelques jours, il y avait aussi pas loin à Bailleul, à le magasin de Bailleul à Wools & Co., une vente de l'Énamouré. Voilà, j'ai appris l'existence de cette vente qu'une dizaine de jours avant en fait, sinon j'avais, enfin voilà, j'avais pas, je savais pas, c'était pas prévu. Mais bon, du coup, d'avoir rencontré Pauline, bah déjà très, enfin je l'avais déjà rencontrée, hein, mais d'avoir revu Pauline, ça m'a fait plaisir, toujours aussi sympathique, aussi souriante, et puis bah, elle avait apporté une montagne de laine, de possibilités, de couleurs, et celles qui m'ont vue là-bas. Je les ai bien fait rire parce que je suis arrivée, j'ai commencé à prendre les sèche-cheveux comme ça. À la fin, j'étais en mode j'ai plus de place. Bon, après, je me suis raisonnée et j'ai. Enfin, je me suis raisonnée. Vous allez voir que quand même, il y a de l'achat. Mais je me suis raisonnée en reposant quand même pas mal et en réfléchissant à ce dont j'avais enfin, ce dont j'avais vraiment besoin. Encore une fois, non. Mais là où j'étais sûre que de pas me gourer et de prendre des bonnes quantités. Et puis voilà. Bref, j'en reparlerai tout à l'heure. Alors, au niveau des projets terminés, je vais commencer par celui-là. C'est le tout dernier. En fait, j'ai terminé il y a 2 jours. Il y a 2 jours, j'ai fini. Je regarde s'il est dans le bon sens. Voilà, c'est ma marinière, en fait. C'est ma marinière. Donc, j'ai évidemment pas fait ça comme ça. J'ai utilisé un patron pour avoir les mesures, les dimensions, le nombre de mailles. Et j'ai simplement réutilisé le ravelot d'Isabelle Kramer que j'avais tricoté il y a déjà 2 ans et demi, voire 3 ans. Ça va bientôt faire 3 ans, je crois. C'était un de mes tout, tout premiers pulls fingering pour lequel j'ai quand même un souvenir qui m'avait semblé très, très, très long à faire. Donc, c'est là qu'on voit quand même la progression parce que pour ce pull-là, j'ai mis du temps parce qu'effectivement, il est terminé depuis quand même un petit bout de temps. Mais, pardon, il est commencé depuis un petit bout de temps. Mais dans ma tête, au niveau du process, ça m'a pas semblé si long que ça. Donc j'ai utilisé le Ravelo pour faire ce modèle, comme l'avait fait Coralie Cocotnets, il y a plusieurs mois, il y a peut-être un an même qu'elle a fait ce pull, et que j'en profite aussi pour féliciter pour l'annonce de sa grossesse il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'était aussi une chouette nouvelle. Voilà. Donc c'est un peu le même pull qu'elle. On n'a peut-être pas forcément fait le même nombre de rayures et la même alternance, ni utilisé la même laine, mais en gros, voilà, l'inspiration vient de là. Je pense que c'est vraiment un très très bon modèle pour faire une marinière droite. Donc là, elle n'est pas ajustée. Ni boxy, c'est voilà, c'est un pull vraiment très basique, très simple, droit. Alors, la laine que j'ai utilisée, petit rappel, donc elle est vraiment parfaitement unie au niveau de l'écru, elle est parfaitement unie, c'est la Biscotte Yarn, la qualité c'est Bissoc et la couleur c'est Vanille, donc c'est vraiment de l'écru écru. Je suis même pas sûre que ça soit de la laine teinte, c'est peut-être de la laine naturelle, je ne sais pas. Et le bleu c'est pareil, c'est la même laine Coloris Nuit, si je ne me trompe pas. Et là, il y a des toutes petites nuances dans le bleu, allant du plus clair au plus foncé. Mais alors, c'est vraiment très, très léger. Pas si vous allez voir ici. Hein. Voilà, ça repart un tout petit peu plus clair. Mais c'est. Enfin, voilà, quand on regarde tout le pull dans son ensemble, il n'y a pas de. Voilà, on ne voit pas de nuances particulières. Il faut vraiment se rapprocher, tout ça. J'ai fait quelques modifications pour la construction de ce patron. Alors au début j'ai tout suivi pour le raglan et tout ça, j'ai tout suivi normalement. Arrivé aux rayures, il était hors de question que je fasse la même erreur qu'avec mon premier ravelot, à savoir effectivement faire comme le patron préconise, clac, commencer les rayures dans le dos.
Ça se voit. Enfin, on a beau avoir une bonne technique de rayure au niveau du changement du rang. Non, je suis désolée, mais ça se voit quand même. Donc moi, j'ai simplement arrêté. Je sais plus ce que j'ai fait. J'ai dû glisser des mailles. Oui, parce que le début du tour était au milieu. Oui, le début du tour, il me semble qu'il était au milieu. Je ne sais plus. En tout cas, ce que j'ai fait, c'est que je me suis arrêtée, j'ai glissé mes mailles et j'ai commencé le tour d'après sur un raglan. Enfin, à une maille d'un raglan. Comme ça, le changement de couleur, je l'ai fait sur un raglan. C'est plus discret. Maintenant, c'est vrai que du coup, le raglan est moins net à cet endroit-là, justement, parce que comme il y a un changement de couleur, ça resserre un petit peu les mailles. Le dessin ne se fait pas exactement comme les trois autres. Donc d'ailleurs, il faudrait que je retrouve c'est où. Le blocage a quand même bien atténué les choses. Hein. Ben, vous voyez, là, je n'arrive pas à savoir c'est lequel, c'est pour vous dire. Je vais retrouver, hein, mais il me semble que c'était un derrière. Ça doit être celui-là, je crois. Ouais, c'est celui-là. Ouais, c'est franchement, ça va quoi. C'est vraiment pas. C'est celui-là où j'ai changé la. C'est celui-ci où j'ai changé le. Je sais pas si ça a fait la mise au point. Où j'ai changé la couleur à cet endroit-là. Je sais pas s'il a fait la mise au point. Non, je peux pas. Enfin, en tout cas, voilà, c'est propre quand même. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, je vous conseille à la limite de faire ça aussi. Vous le faites à une maille, à chaque fois à une maille du raglan. Ouais, c'est ce que j'ai dû faire à peu près. J'avoue que je me souviens déjà plus. Mais ça devait être un petit peu comme ça. Et donc du coup, j'ai continué. Et du coup, le changement de. Une fois que les augmentations étaient terminées au niveau des raglans, j'ai pu continuer à faire le changement le changement de la couleur au niveau du côté. Et pour que ça soit encore plus discret, mais je pense que c'est prévu dans le patron, j'ai fait une maille en vert, une maille de fausse couture de chaque côté du pull, pour que, pareil, au moment où je change la couleur, ça soit juste après la maille en vert, et du coup c'est plus discret que si ça avait été que des mailles en droit en fait. Alors, selon les endroits, c'est plus ou moins propre. Et il y a eu quelques petits couacs, j'ai l'impression, quand même, globalement. Je vais un peu essayer de retrouver c'est où que j'ai changé. Ah. Alors. Bon, c'est au début du pull. Ouais, donc c'est ce côté-ci. J'ai changé au début du pull. Voilà. Donc les premières rayures, ça va. Puis il y en a une qui fait un petit zigouigoui bizarre. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ici ça fait un zigouigoui, mais bon, c'est pas grave, hein. Encore une fois, c'est sur la maille en vert. Là, c'est parce que je tire, donc ça se voit fort, mais sinon ça se voit pas particulièrement. Et après, il n'y a plus rien parce que j'ai changé de côté. Hein, vous savez, quand vous tirez un fil comme ça tout le long d'un projet, ça a tendance à déséquilibrer la souplesse, la fluidité de votre tricot. Donc il vaut mieux faire moitié d'un côté, moitié de l'autre. Comme ça, du coup, les deux côtés ont la même souplesse ou la même rigidité selon comment on réfléchit. Donc c'est voilà, j'ai fait 20 cm d'un côté où j'ai changé mon fil, puis hop, après j'ai changé mon fil 20 cm de l'autre côté, tout simplement. Et donc là, hop, c'était sur la fin. Est-ce que ça fait aussi des petits aiguiguis? Bon, ça va encore quoi. J'aurais peut-être pu le bloquer pour que ça. Enfin, il est bloqué, hein, mais pour que ça soit un peu plus discret. Mais encore une fois, je tire quoi. Quand il sera porté, nickel. Les manches, pareil. Voilà, j'ai fait suivre mon fil. Et puis, c'est plus ou moins propre aussi, selon les endroits, quoi. Donc moi, je relève pas de maille, je fais rien de particulier, je fais juste suivre mon fil et du coup, je serre plus ou moins le fil en fonction pour essayer de le faire rejoindre le rang d'avant en fait, hein, pour qu'il essaye d'arriver presque au même niveau que le rang d'avant. Donc en fait, ça implique simplement de serrer plus fort la dernière maille de la rayure. Donc il suffit de tirer le fil et vous serrez un peu plus fort. Donc bon, le fait de serrer plus fort, la tension à un endroit du tricot et change un petit peu, mais ça se voit pas particulièrement, surtout qu'on est encore une fois sur une maille en vert. Donc à chaque fois il y a une maille en vert de fausse couture et à chaque fois c'est à cet endroit-là que je le fais. D'où le côté un petit peu plus discret, hein, du changement de rayure. Ça va. Voilà. J'ai eu très 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 peur pour le blocage parce qu'on est quand même sur du bleu marine et sur de l'écru. Mais
Je ne sais pas comment les laines biscottes sont traitées, mais honnêtement, il n'y avait pas un gramme de bleu dans l'eau. C'était juste impressionnant. Déjà avec l'échantillon, j'avais été rassurée, hein, j'avais trempé mon échantillon. J'avais même laissé quand même plus longtemps que d'habitude pour voir ce que ça allait faire. Et j'avais pas vu de bleu. Bon, j'étais rassurée, mais c'est vrai que c'est pas sur l'ensemble non plus de la laine. Donc, c'est comme il y avait vraiment assez peu de bleu. Je me suis dit, bon, bah, ça va pas dégorger, mais ça veut pas dire que sur le pull entier, il n'y aura pas de souci. Eh ben si. Il n'y a vraiment eu aucun problème, j'ai pas mis de produit particulier, j'ai claqué le truc dans l'eau, j'ai surveillé, je venais voir toutes les 3-4 minutes, voir comment l'eau elle tournait et rien. Pas un gramme d'eau de bleu dans l'eau. Donc forcément, il n'y a aucun problème de dégorgement sur le blanc. Il y a juste un endroit, mais c'était dans la laine, c'est rigolo. Il y a un tout petit peu de bleu là, ici. C'est marrant. Je sais pas pourquoi. C'était dans la laine écrue. En tout cas, elle est vraiment très 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 douce. C'est très agréable. C'est vraiment très très chouette comme pull. Voilà, il est assez basique, hein. Il n'a rien d'exceptionnel ce pull du coup. Mais voilà, justement, je suis bien bien contente d'avoir une marinière faite moi-même. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? L'alternance des rayures, j'ai fait 4 en 8 rangs. 4 en 8 rangs, 4 en 8 rangs, 4 en 8 rangs. Donc c'est très régulier, hein. Il n'y a pas. J'ai vraiment fait le double des bleus. C'était aussi en fonction de la laine, sachant que j'avais vraiment 2 tiers d'écru, 1 tiers de bleu. Le mieux était de faire cette alternance-là de rayures pour être sûr d'avoir suffisamment de laine écrue par rapport à la laine bleue. Au final, il m'en reste quand même un petit peu des deux. Il me reste quand même 20 grammes de bleu et une dizaine de grammes d'écru. Donc on est bien par rapport à ça. Le Ravello à la base, c'est une encolure bateau. Donc il va quand même assez loin comme ça et il n'y a rien. Donc c'est une encolure brute bateau. Mais dans le patron, il y a plusieurs autres techniques qui sont expliquées pour qu'on fasse une autre encolure. Donc moi, toujours dans l'esprit classique, j'ai fait des côtes 1-1. Maintenant, je ne sais pas comment j'ai fait mon compte parce que au moment de les relever, donc Isabelle Kramer dit qu'il faut relever un certain nombre de mailles. Et moi, je n'ai pas regardé ce nombre-là, j'ai fait ma méthode habituelle, j'ai relevé 3 mailles sur 4. Et au final, il m'a manqué une trentaine de mailles par rapport à ce que conseillait la créatrice. Donc je me suis dit, c'est bon, tant pis, j'avais pas envie de recommencer. Et donc j'ai quand même fait mes 4 rangs de côte et j'ai rabattu comme ça. Donc vous voyez que le col, il est quand même assez petit. Ma tête, elle passe sans souci, mais il n'est pas très très grand, il n'est pas très profond. Et c'est bien rigide quand même, quoi. Mais voilà, ça ne me pose pas de problème. Mais voilà, il faut le savoir. Faites peut-être quand même attention si vous voulez faire le col avec des côtes, de relever quand même suffisamment. Enfin, plus de mailles que moi en tout cas, et moi je vous dis, il m'en a manqué 30, il m'a manqué un quart des mailles en fait, il m'a manqué un quart des mailles, mais je me voyais pas en relever plus non plus parce que je voulais pas que ça baille quoi. Bon, c'est un bon compromis. Maintenant on voit un petit peu, pareil, je sais pas si fait la mise au point, mais on voit un petit peu les rangs raccourcis au niveau du col ici, mais pareil, c'est pas gênant à porter. Voilà, je suis assez satisfaite de ce pull qui m'a occupée de façon ponctuelle. Hein. Je ne l'ai pas enchaîné. J'ai vraiment tricoté un petit peu ça quand je revenais sur des projets avec des motifs plus importants. Puis quand j'en avais marre, je revenais là-dessus. Mais j'ai quand même énormément, énormément peiné sur le fait d'utiliser deux pelotes tout le temps. C'est quand même vraiment, vraiment fastidieux. Enfin, pour moi en tout cas. Les pelotes, elles n'arrêtent pas de s'en mêler. Je trouve pas de système pour que ça ne fasse pas tout le temps des croisements de fil en fait. Quand on est sur une manche et qu'on tourne avec des aiguilles 23 cm, tous les rangs, les deux fils s'enroulent au niveau de vos pelotes quoi. Et donc j'ai passé mon temps à dérouler, dérouler, dérouler. Et ça vraiment, c'est ce qui m'a le plus déplu dans ce projet. Je pense aussi que comme je l'avais déjà tricoté une fois, même si ça fait plusieurs années, j'avais eu à un moment donné un discours comme quoi je me voyais pas refaire le même modèle, le même projet que j'avais déjà fait, parce qu'il y a tellement de beaux modèles, que c'est un petit peu dommage de recommencer quelque chose qu'on a déjà fait. Bon, maintenant, mon premier Ravello, je ne l'ai plus, je l'ai vendu. Et honnêtement, je ne voyais pas un autre modèle pour faire vraiment une marinière carrée, voilà. Donc je me suis fait violence pour refaire ce projet-là. Et je pense que c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas non plus hyper, hyper adoré. Parce que tout simplement, je l'avais déjà fait, quoi. Voilà. Mais au final, ça donne quand même une chouette marinière.
à mettre dans le placard parce qu'il fait un petit peu il fait un petit peu chaud en ce moment. Enfin, il faisait chaud hier, aujourd'hui il caille. C'est un petit peu bizarre. C'est un mois de juin en dents de scie, en tout cas dans le nord. Je vérifie que j'ai rien oublié. Non, c'est bon, je pense. Donc ça, c'était mon premier projet terminé. Le deuxième projet terminé, je vais le mettre sur le cintre aussi. Et là, par contre, c'est le bonheur absolu. C'est mon chouchou du moment. Enfin, du moment. Je pense que ça sera mon chouchou pendant longtemps, longtemps. C'est mon Puntilla. Tout rose, tout beau. Le petit Puntilla de Rory Locatelli. Que j'ai tricoté pendant mes vacances, enfin une bonne partie pendant mes vacances justement du côté de Lyon en avril-mai. Ouais, c'est ça. Ouais. Et voilà, qui voilà aussi inspiré, hein, parce que c'est pas le premier Puntilla rose que vous voyez, mais là vraiment pareil, je voyais ce modèle dans cette couleur-là absolument, il me le fallait comme ça. Donc moi j'ai choisi la laine By Nights de Nathalie, hein, de By Nights, avec une couleur, comment elle s'appelle déjà sa couleur? J'avoue que je ne sais plus. Pareil, je l'avais fini il y a un petit moment quand même ce projet, donc je ne me souviens plus très bien du nom de la couleur. Donc je vous invite, quand c'est comme ça, de toute façon, hein, je note tout sur Ravelry, d'aller tout vérifier sur la page projet. Mais voilà. Donc j'ai pas fait la dentelle, ni aux manches, ni dans le bas du corps. Le pull est un peu chiffonné parce qu'il était plié dans l'armoire, donc il y a des marques de pliure, mais il est vraiment, vraiment très, très, très chouette. Très chouette. J'ai pas eu de soucis au niveau du col. Moi, pour moi, il est grand. Bizarrement, il est plus grand que celui que je viens de vous montrer du Ravello. Donc, j'ai pas de problème pour le passer. Bon, moi, je porte pas de lunettes, mais même si j'ai des lunettes de soleil, ça passe avec. Donc, c'est plutôt pas mal au niveau du col. En plus, je trouve le col très joli. La façon dont les mailles sont relevées, ça se passe plutôt bien. Alors qu'en plus, j'avais fait une erreur. Parce qu'il manque des rangs ici. Il manque des rangs. Il doit manquer deux rangs de chaque côté. J'ai fait une bêtise au moment du patron, j'ai mal lu, voilà. Et je m'en suis rendu compte, mais comme pour moi, ça semblait pas. Enfin voilà, ça n'a rien changé. Ça, c'était pas une erreur qui allait compromettre tout le projet. Je me suis dit que j'allais la laisser. Et effectivement, ça pose absolument aucun problème. Moi, j'aime énormément les épaules. Le fait d'avoir relevé les mailles en laissant un motif comme ça sur le côté. Je trouve ça vraiment très très beau, très féminin quand voilà, quand ça retombe comme ça sur l'épaule, ça vraiment ça, comment dire, j'allais dire ça sensibilise le projet, mais c'est pas ce que je veux dire, mais oui voilà, c'est le côté un petit peu voilà féminin qui vient se dessiner comme ça sur les épaules, c'est sympa. Les rangs raccourcis se voient à 10 000 km, mais pareil, ça ne me dérange pas parce que ça fait un peu motif. C'est régulier, c'est toutes les 3-4 mailles, je crois. Et donc, du coup, des deux côtés, ça fait pareil. Donc ça rend bien. Sachant que j'ai utilisé des German Short Row. Je ne sais pas si dans le patron, c'était conseillé de faire des wraps. J'avoue que ça, quand je vois rangs raccourcis jersey, je lis même plus le patron. Je ne me pose pas la question. Je fais des rangs raccourcis allemands, des German Short Row, sans me poser de questions. La laine, j'ai été quand même très surprise. Donc en la tricotant assez sèche, ça laissait une sensation sur les doigts un petit peu. Pas d'irritation, mais ça me rendait les mains sèches en fait de la tricoter. C'était pas désagréable, mais voilà. Donc je me demandais quand même comment allait effectivement réagir cette laine globalement. Et en fait, quand on le lave, la laine elle gonfle. Elle prend vraiment un volume, elle prend tout son gonflant comme ça, et du coup. Le pull qui normalement on fait en fingering, on dirait comme ça, enfin là vous peut-être pas vous à la caméra, mais on dirait qu'il est plutôt en sport parce qu'il a vraiment pris de l'épaisseur. Donc pour moi c'est vraiment un pull d'hiver parce qu'il est chaud et épais du coup. Même si c'est en fingering, enfin là si je compare par rapport à mon Ravello qui est fait avec la même qualité de fil, quand je les touche comme ça, celui-là il est super fin et celui-là il est épais. C'est vraiment particulier.
Alors qu'au moment de la tricoter, avant qu'elle soit lavée, ça faisait pas ça du tout la laine. Donc moi, je suis encore plus ravie que ça ait fait ça, parce que bah, ça rend le pull encore plus doudou, plus duveteux, plus intéressant. Et du coup, je pourrais mettre ce pull quand même au fin fond de l'hiver, je crois, parce qu'il va quand même être bien, bien chaud. Donc je suis super contente du rendu final de la laine et de la nuance aussi, de l'aspect, de la qualité de ce fil. Je l'ai déjà porté pas mal de fois. Je ne vois pas une seule bouloche. Non, absolument rien du tout. Même les manches, ça se passe plutôt bien. Honnêtement, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je la conseille, cette laine-là, la By Night, parce qu'elle est vraiment... elle est vraiment surprenante dans le sens positif du terme. Je réfléchis si je vous ai dit tout ce qu'il fallait. Bon voilà, il n'y a rien de particulier. Hein. C'est du jersey au kilomètre. Hein. Donc c'est vraiment le projet parfait pour vous reposer, pour regarder des séries. Enfin voilà, c'est vraiment très 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 reposant. Moi j'ai adoré, j'adore le jersey. Je vais faire un paradoxe avec ce que je viens de dire avant, mais... Peut-être que si je devais refaire un pull un jour, ça pourrait éventuellement être celui-là. Ou en tout cas, un de la catégorie boxy de chez Rory. Parce que c'est vrai que maintenant, elle commence à en avoir sorti énormément. Il y a le boxy boxy, il y a le granito, le puntilla, le easy one. Je dois en oublier. Voilà, elle en fait quand même énormément. C'est un peu aussi un reproche que je peux lui faire, c'est qu'au bout d'un moment, c'est toujours la même construction et à chaque fois, payer 6 euros pour un patron qui ressemble beaucoup au précédent, ça pique un peu, mais bon, faut jouer le jeu, je joue le jeu et j'achète ses patrons, mais voilà. Donc ça pourrait être éventuellement un pull à refaire en ce qui me concerne. Voilà. Voilà pour ce pull qui, pareil, je ne peux pas le porter en ce moment parce que lui, il est encore plus chaud que le Ravello. Mais dès qu'il y aura un petit coup de froid, je le porterai. Voilà. Alors, donc c'est terminé pour les projets finis. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai trois en cours. Alors, je vais peut-être d'abord vous parler de mon flop. Hein, ça sera fait, on sera débarrassé. J'avais commencé, j'ai dû vous en parler la dernière fois. J'avais commencé un projet dans un fil léger. Alors quand je dis léger, c'est parce que voilà, au niveau de la couleur et de la texture, avec de la soie, il fait un peu plus fil estival à mes yeux. Après, c'est subjectif. Hein. Donc c'était la Eden Cottage Yarn Titus et la couleur c'est... allez voir sur Ravelry. Je ne sais plus. Un petit bleu-gris comme ça, assez sympathique. Et donc j'avais vraiment en tête, dans ma tête, c'était avec cette laine-là, tu fais un pull au motif texturé. Donc j'avais cherché pas mal de patrons, ce que j'avais dans mes favoris. Et puis mon choix s'était arrêté sur le Mira de Justina Lorkowska, qui est voilà, pareil, un pull droit avec un point texturé. Je ne sais pas s'il a un nom, c'est un point un peu. Comment on appelle ça là? Alvéole d'abeille, je sais pas trop quoi. Qui est d'ailleurs assez redondant. Donc en fait, j'en suis là. Je vous montre. J'en suis là. Donc j'ai quand même presque tricoté tout le premier écheveau. Mais rapidement, il y a plusieurs choses qui n'ont pas fonctionné avec ce pull. Première chose, l'encolure, elle est immense. Mais alors, immense. Pourtant, j'ai fait un échantillon, j'ai fait la taille qui convenait par rapport à cet échantillon, mais là, honnêtement, c'est trop. Alors, normalement, il faut relever les mailles et faire des côtes, mais quand même, quoi, ça part quand même assez mal. Je n'ai pas vu tout de suite que l'encolure était si grande, puisque au début, j'étais sur un câble beaucoup plus serré, et puis je faisais les raglans et tout ça, donc c'était progressif. Je m'en suis rendu compte un peu plus tard que la séparation du corps et des manches, où là, j'ai tiqué un petit peu. Bon. Premier point négatif, mais j'ai continué. Je me suis dit, bon, c'est pas très grave. Deuxième point négatif, une fois que je suis arrivée à la séparation des manches et que j'ai commencé vraiment à faire le corps, le point ici, ça n'avançait pas. Mais quand je vous dis que ça n'avançait pas, c'est que j'avais l'impression de faire des rangs, des rangs, des rangs, des rangs, et au bout d'un moment, ben, j'avais fait tricoter qu'un centimètre. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi, ça ne finira jamais. Et effectivement, c'est un point qui, quand même, qui est mangeur de laine et en plus qui est très long à monter. Les rangs, ça va, je veux dire,
Ça se passe quand même relativement bien. Il y a des rangs total envers à faire. Et au niveau des rangs en droit, c'est pratiquement du jersey, sauf qu'il faut piquer l'aiguille à des endroits particuliers à certains moments. Enfin voilà, je ne vais pas vous expliquer le point, mais en gros, ça se passe comme ça. Donc ça, voilà, ça prenait un temps fou de monter, parce qu'à chaque fois, en fait, on travaille sur un rang précédent et ça ne montait pas. Donc, deuxième point négatif. Troisième point négatif, j'aime pas trop le côté. C'est pas très net, c'est pas très joli. On est censé faire deux mailles en droit au milieu, là, ici. Et je sais pas, mais c'est. Peut-être que le blocage aurait arrangé les choses, mais c'est pas beau. J'aime pas. J'aime pas trop. De loin, ça va. À la limite, de loin, ça va, mais de près, bof. Donc, troisième point négatif. Puis, bon, je persiste. Hein. Moi, je continue à tricoter. Je me suis dit, allez, la laine est sympa. C'est vrai que la couleur et les nuances sont vraiment, vraiment sympathiques. Donc, je continue, je continue, je continue. Puis, vous savez, il y a un moment donné, on a l'impression qu'on atteint un point de non-retour. Je dis, j'ai déjà consacré autant d'heures. J'ai déjà consacré pratiquement une pelote. Voilà. Et puis, sur le dernier rang, l'avant-dernier rang que j'ai pu tricoter, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur sur la moitié du corps, je crois. Donc, il y avait tout un décalage dans le motif. Et la seule façon pour le rattraper proprement, c'était de détricoter 3-4 rangs. Et là, ça m'a découragée totale. J'ai dit, bon, ben, si j'avais adoré le projet et que tout convenait, je l'aurais fait. J'aurais détricoté les 4 rangs et tout ça. Mais là, par rapport à l'état d'esprit dans lequel j'étais par rapport à ce projet. Non, c'est bon, j'ai dit bon, bah, j'abandonne, je le fais plus, je l'arrête, je vais le détricoter. Donc, c'est mon flop, c'est le Mira, c'est un flop, quoi, pour moi. Voilà, donc il faut que je trouve un. Bon, là pour l'instant, voilà, il est comme ça, je ne l'ai pas encore détricoté. Je vais d'abord essayer de trouver un projet remplaçant pour cette laine que j'aimerais quand même toujours tricoter cet été, toujours par rapport à la fraîcheur de la laine. C'est marrant parce que ça, elle me semble un peu fraîche, elle est. Elle est la soie la rend vraiment voilà, elle a un aspect un peu estival. Donc je sais pas encore par quoi je vais le remplacer, mais j'ai toujours en tête de faire un projet quand même plutôt texturé avec. Alors il y a eu le patron Mathilda qui est sorti, des longues avec Anna, pourquoi pas. Ça sera un point un peu moins redond, enfin un peu plus facile à faire, un peu plus rapide à faire aussi. J'hésite, ça pourrait être éventuellement une possibilité si je sais pas trop quoi faire avec d'ici là. On verra bien. Si vous avez des idées, vous n'hésitez pas, mais pour l'instant, je le laisse un petit peu en stand-by, je sais pas trop. Donc, ça, c'était mon gros flop. Deuxième en cours, j'ai enfin commencé un projet dont je vous parle depuis plusieurs épisodes. J'ai commencé le Quiet Star de Rory Locatelli. C'est pas très. L'impression est pas nickel. Bon, ça va, on voit quand même bien. Donc, qui est un très 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 joli gilet à col châle. Mais alors, quand je vous dis col châle, là, c'est vraiment un gros truc de dentelle de chaque côté qui s'évase. Il y a des petits nœuds. Enfin, voilà, c'est vraiment un projet intéressant. Très beau, très féminin et intéressant au niveau de la construction. Donc moi j'ai choisi de le tricoter en Madeleine et Philibert, en Big Sock et non pas Big Dick, n'est-ce pas? Hein, voilà, hein, j'avais posté une photo Instagram, le correcteur a changé Sock en Dick, c'est resté pendant 1 heure. J'ai eu quelques commentaires avec, comment dire, un grand sourire. Mais voilà, j'ai rectifié. Donc c'est bien de la Big Sock de Madeleine et Philibert et le coloris c'est Bruges. Voilà. Un grège, comme d'hab, quoi. Très, très, très joli. Et donc, voilà où j'en suis. Alors, c'est le début, donc c'est un petit peu pas évident à vous montrer. Voilà. On est sur la construction vraiment du début du gilet qui part vraiment dans tous les sens. Elle est top, cette construction, parce qu'on s'ennuie absolument pas. On fait un côté, puis on relève pour faire l'autre, puis on met en attente, on relève pour faire le dos, puis on relève pour refaire le devant. Enfin voilà, ça n'arrête pas de tout le temps changer, donc c'est vrai qu'on s'ennuie absolument pas. Moi j'apprécie beaucoup. Surtout que là on a de la dentelle et un point texturé, un point de semis et de la dentelle. Donc on est quand même sur quelque chose, moi qui suis une grande fan du jersey, qui me demande quand même un certain effort. Hein.
Je suis très contente de le faire. Pour l'instant, tout va bien. À voir quand je serai dans le corps et que je vais descendre, si je serai toujours aussi motivée et emballée. Mais de toute façon, voilà, il est commencé. Je le terminerai sans souci. Donc la dentelle est très sympa. Donc je vous dis, c'est quand même un gros colchain parce que vous voyez qu'il y a quand même pas mal de centimètres hein, qui sont consacrés au col. Pas mal de répétitions de dentelle. La dentelle, elle est assez simple, on la retient assez facilement quand on fait que ça. Parce que si vous changez tout le temps de projet, c'est vrai qu'après, il faut se replonger quand même dans le patron pour se souvenir de la dentelle. Et puis le point de semis, ici. C'est un point de semis, quoi. Donc une maille en verre de temps en temps qui doit être faite. Ça bouffe pas mal de laine parce qu'il me reste déjà plus que ça du premier écheveau et j'ai même pas fait le premier demi-devant. Donc j'espère que j'en aurai assez. J'ai trois écheveaux et c'est des écheveaux de 425 mètres. Donc c'est quand même dommage que ça bloque à ce niveau-là. Voilà. Moi je suis très contente, très ravie de ce projet pour l'instant. Maintenant la grande question que je me posais, c'était est-ce que je fais ou pas la dentelle dans le dos? Donc normalement, une fois que vous avez séparé les manches. Enfin, vous avez séparé les manches, non, c'est pas un raglan. Donc, une fois que vous avez fini les emmanchures de chaque côté, que vous avez fait les deux demi-devant et le dos, et eh ben vous êtes reparti dans le dos pour faire de la dentelle. Alors, plusieurs hésitations. Je sais pas si je vais la faire parce que, étant donné qu'il y a déjà beaucoup de dentelle sur le devant, je trouve que ça fait un petit peu too much d'en reclaquer dans le dos. C'est une première impression de ma part. Deuxième chose, du coup. Désolée pour celles qui l'ont fait, voilà, de la dentelle dans le dos. J'ai peur du côté un petit peu mémérisant. Trop de dentelle tue la dentelle, hein, laisse is mort, etc., etc. Donc là, je pense que. Alors, c'est très joli, mais est-ce que moi, avec mes goûts, en ce moment très neutre, je vais vraiment apprécier cette dentelle dans le dos? Pas certain. Donc voilà, je suis pas sûre de la faire. Après, la dentelle permet au gilet de s'évaser énormément derrière, hein, puisqu'entre chaque section de dentelle, vous avez des augmentations. Alors, j'ai pas bien lu le patron à ce niveau-là, mais on voit bien que ça, les dentelles, les points de dentelle s'écartent de plus en plus. Donc, dans tous les cas, si je fais pas la dentelle, il faut quand même que je prévoie des augmentations. Donc, à mon avis, je les ferai simplement. C'est à peu près sûr à 90% que je fasse pas la dentelle. Hein. Je vais les faire le long du côté, les augmentations, pour avoir quand même un effet évasant. Alors peut-être du coup pas aussi évasant que les augmentations qui sont prévues de base, mais en tout cas ouais, je préfère que ça parte comme ça plutôt que tout droit. Je pense que c'est vraiment un gilet qui est fait pour. Et après vous avez j'allais dire les lacets qui viennent. Ça par contre je vais le faire. Je vais faire les petits. Les lacets. Bon bref, vous avez compris. Ouais, donc voilà pour ce projet-là qui est vraiment très sympa et qui prend qui est très motivant à tricoter. En tout cas pour l'instant, je vais l'avancer tranquillement quand je serai dans des périodes de motivation. Parce que encore une fois, avec le déménagement, je suis sûre qu'il y a un moment donné où je vais saturer et il faudra vraiment du zéro cerveau. D'où l'intérêt du dernier projet que j'ai monté pour l'instant, qui est où? Qui est là. Enfin, ça fait 2 ans que je dois le faire. Ça fait 2 ans que j'ai la laine. J'ai monté mon boxy! Ça y est! Le vrai, le pur, le simple. C'est pas le Puntia, c'est pas le Granito. Cette fois-ci, c'est vraiment le boxy. Toujours de Rory Locatelli. Je crois que là, je vous parle de trois projets Rory Locatelli. Donc. J'ai l'impression que je voue un culte à son design en ce moment. C'est pas fait exprès, c'est pas. Ce qui est marrant, c'est que je suis pas forcément fan d'un designer. Je vais être fan d'un patron par-ci, par-là, parce qu'il y a des trucs de Rory que je n'aime absolument pas. Il y a aussi des patrons qu'elle fait qui ne me plaisent, mais pas du tout. Donc je peux pas dire que j'aime le Rory Locatelli de façon générale. Pour moi, j'aime un patron. J'aime un style de patron. Et après, quand ça peut se décliner, c'est intéressant. Mais voilà, c'est vrai que cet épisode-ci, je vous en présente quand même beaucoup. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai monté mon boxy. Donc là, je suis sur 370 mailles. Je fais la plus petite taille. J'ai pas fait d'échantillon.
C'est la première fois que je le fais. Mais j'ai déjà tricoté cette laine. C'est de la Hedgehog Fibers, coloris. Donc c'est de la skinny single, c'est de la single. Et le coloris c'est Stone. Donc pareil, on est sur un beige grisé. Donc là en ce moment, c'est très monochrome chez moi. C'est pas le même, hein. On est d'accord. C'est pas le même. Mais puis un gilet et un pull, donc ça n'a pas la même utilité non plus. Mais c'est vrai que je suis très dans les mêmes couleurs en ce moment. Donc pour éviter le fameux problème de twist, hein, moi j'avais vraiment pas envie de prendre le risque. Donc j'ai tricoté les côtes à plat. Et c'est seulement une fois que j'ai rejoint le tricot en rond pour le jersey que j'ai tricoté, que j'ai... Qu'est-ce que j'ai dit? C'est une fois arrivé au jersey que j'ai rejoint le tricot en rond pour continuer à tricoter en rond. Donc forcément, je vais avoir, c'est ici, je vais avoir 2-3 rangs écartés. Donc il suffit de faire un petit point de couture et puis on ferme à la fin du projet sans souci. Donc je pense que c'est important à savoir que cette astuce existe pour les projets comme ça, parce que sinon vous allez devenir fou, c'est évident que vous allez... Enfin, c'est impossible de ne pas twister 370 mailles sur le rang de montage, quoi. Pour moi, c'est vraiment un gros coup de bol si vous arrivez à ne pas twister. Donc au lieu de se prendre la tête, faites quelques rangs. Vous allez devoir faire 3 points de couture, mais c'est quand même pas dramatique. Donc ça vaut le coup de faire ça plutôt que de devoir recommencer à monter les mailles, parce que je les ai senti passer les 370 mailles à monter. Et là pareil, la douleur au pouce est revenue à ce moment-là. Sinon, bon, bah, tout le monde connaît ce patron. Je vais pas vous en parler plus que ça. J'en parlerai quand il aura bien avancé, voire sera terminé. Mais voilà, ça sera mon projet zéro cerveau de l'été, quand je serai crevée d'avoir soulevé mes cartons et repeint mes murs. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce projet-là. Au niveau des futurs projets, ben du coup, comme j'en ai deux qui viennent de commencer et plus celui qui doit être détricoté et pour lequel il faut que je trouve un plan B, j'avoue que là, j'ai pas forcément réfléchi à quelque chose de très très précis. Comme d'habitude, j'ai des idées, j'ai des envies, il y a des patrons qui me plaisent, mais là, pour l'instant, il n'y a rien qui est arrêté où je me dis, allez, en août, je commence celui-là, en septembre, je commence celui-là. Par contre, progressivement, j'aimerais bien refaire un châle ou un tour de cou, parce que je pense que les châles, là, tout doucement, l'engouement, en tout cas en ce qui me concerne, diminue un petit peu. Et je me demande si je vais pas plutôt chercher des patrons de vraiment qui s'enroulent de tour de cou, quoi. Plutôt que des châles qui ont toujours des formes hyper compliquées à positionner, au moins le tour de cou, clac, clac, si c'est deux tours, et c'est réglé. Donc je vais regarder un petit peu ce qui pourrait être fait, mais je pense pas, honnêtement, je pense pas que je vais le commencer cet été. Mais j'ai de la laine pour, j'ai des modèles qui m'intéressent. Alors il y a le beau blush aussi, c'est un châle qui est sympa, mais c'est un châle. Donc à voir si je me lance quand même dans un châle ou si je cherche absolument un tour de cou. On verra. Après, les tours de cou en figurine, c'est pas forcément les projets qui existent le plus sur Avery. Bon, maintenant je vais quand même vous parler des petits craquages chez Pauline. Alors avant sa vente chez Wools & Co, bizarrement, j'ai passé commande chez elle quand elle a eu son réassort du fameux coloris caramel au beurre salé. Moi j'en avais pas, hein, c'était quand même un cruel manque dans mon stash. Bah donc je lui en ai pris sur sa base Athéna, et je lui en ai pris 3. Donc là j'ai eu un bain assez nuancé moi en ce qui me concerne. Ça me plaît, les deux me plaisent. Si j'avais eu une couleur plus unie, ça m'aurait plu. Là je suis contente aussi d'avoir quelque chose d'un peu plus nuancé. Je sais pas si je ferai un pull ou un gilet. Je pensais faire un gilet, mais comme justement c'est très nuancé, ça sera peut-être plutôt un pull. On verra. Et sinon je vous montre quand même. On va voir s'il fait la mise au point. Athéna. Tac. Donc ça, c'était une commande que j'avais fait par internet. Et puis en allant au magasin, j'ai eu dans mes mains, j'ai eu 18 écheveaux. Là j'avoue que j'ai, voilà,
parce qu'il y avait aussi du mohair. Je me suis dit, oh super, ça va changer de la drops, je vais prendre du mohair. Je prévoyais déjà des pulls et tout, puis j'étais pas sûre des quantités, donc j'ai fini quand même par reposer. J'ai quand même fini par reposer presque la moitié des échevaux, mais j'en ai quand même acheté une dizaine. Voilà, donc pour rester dans la même gamme, Athéna, j'ai craqué sur le très très joli bordeaux. Je sais pas si c'est un coloris qui date d'il y a longtemps ou pas. C'est Baiser de groseille. Hop. Donc c'est vraiment un vrai vrai bordeaux. Là vous le voyez peut-être un peu violacé, mais honnêtement, voilà. Pff, après sur fond blanc, ça va pas le faire. Et puis là c'est trop clair. Bon, un peu compliqué de voir la vraie couleur. Là ça va à peu près. Donc c'est Baiser de groseille, hein, je me trompe pas, Baiser de groseille. Quand je regardais son site internet, pour moi cette couleur-là c'était plutôt un verre de vin. Donc comme quoi, et elle m'a expliqué que justement non, un verre de vin il était plus violet, alors que Baiser de groseille c'est un vrai bordeaux. Donc je voulais absolument refaire un gilet bordeaux. J'en ai déjà un, j'ai le Perido Cardigan, mais il me pose problème puisqu'il se positionne extrêmement mal au niveau des épaules. Donc je ne le porte pas. Donc je vais sans doute, je vais voir si je peux pas le détricoter et faire un pull avec la laine. Maintenant c'est une laine qui est déjà en projet depuis longtemps. Je ne sais pas si je peux me permettre d'aller détricoter une laine qui a été déjà beaucoup portée, enfin beaucoup, qui a été portée, lavée plusieurs fois. C'est un point de semis, donc je ne sais pas du tout si elle va supporter un détricotage. À voir, on va essayer. Bon, pour l'instant, je le laisse comme il est. Peut-être que sur des robes et tout ça, ça le fait. Hein, mais c'est vrai que sur, enfin, ça part quand même pas mal en arrière. Ou alors, il faudrait que je remonte le tour et que je fasse des côtes. Ça pourrait peut-être le faire aussi, ça. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai racheté du bordeaux. Baiser de groseille. Et j'ai aussi craqué, parce que c'est pareil, j'aimerais bien un gilet fingering dans ces coloris-là. Je lui ai pris pratiquement un noir en fait. C'est son coloris Baguera. On est sur un noir, mais du coup nuancé. Et ça, par contre, ça m'intéresse. Ça m'intéressait bien que ça soit autant nuancé. Ça part vraiment sur des. Voilà, là c'est la bonne couleur. Ça part vraiment sur des zones beaucoup plus claires. Donc je pense que justement dans un gilet qui aurait un design quand même avec des motifs, ça sera beaucoup plus sympa que tout noir, tout noir. Parce que de toute façon, j'ai un en cours. Qui est au dodo, donc j'en parle plus pour l'instant, qui est le Black Barlow de Marmelade. Et là, effectivement, comme j'utilise de la drop, c'est du noir, noir, noir. Et donc c'est pour ça que d'ailleurs, je fais ce gilet qui est très simple, sans motif, parce que j'ai pas fait les motifs, pour avoir vraiment le truc basique. Et là, attendez, je regarde, j'ai cru que j'avais pas le même bain, non, ça va. Et là, on est vraiment sur là, par contre, vraiment de la nuance. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Là, du coup, ça fera quand même encore un gilet, mais là, cette fois-ci, ça sera en fingering, donc l'objectif n'est pas vraiment le même. Ensuite, bah, j'allais pas repartir sans prendre du rose. Donc là, par contre, j'ai craqué plutôt sur de la single. J'ai pris sa base, comment ça s'appelle celle-là? Gaia. Donc là, on est sur 70% mérino, 30% soie en single. Ah, mais du coup, c'est la première fois que j'achète de la soie en single. Donc là, je suis plutôt contente du coup. Et c'est Caresse de licorne. Donc c'est vraiment un joli rose poudré, clair, pas de souci. C'est pas le même rose que mon Puntilla, hein, on est d'accord. C'est pas la même chose. Voilà. Donc j'avais le droit. Et là, hop, je vous montre l'étiquette. Caresse de licorne. Et il y en a trois. C'est tout doux, tout beau, tout doux. Et c'est pas fini, reste un écheveau, mais c'est cassé la figure. Hop. Et là, par contre, j'ai pris de la déca pour me faire un bonnet cet hiver, pareil en gris, voilà, tout simple, tout beau. J'ai oublié, c'est la Flora Déca, 60% mérino, 20% soie, 20% yak. Ça, du coup, c'est assez amusant. Et ça s'appelle Par la barbe d'Hagrid. Oh punaise, j'avais même pas réalisé, mais c'est thématique Harry Potter ici. C'est encore mieux. Ah, bah là il veut pas. C'est bizarre. Oh bah alors Coco, ça avait marché pourtant. Ah
Voilà, c'est bizarre parce qu'il voit. Ah, ça y est. Par la barbe d'Akrit. Ah, ça te fait mal au bras. Donc voilà, donc bon. Comment dire? J'ai de quoi faire pour un moment. Je vais vous dire ça, voilà. Donc pour le déménagement, je vais rassurer tout le monde. Je ne mets absolument pas mes laines dans le camion. Je les prends à côté de moi, dans la voiture. C'est hors de question que je m'en sépare. Surtout qu'en ce moment, mon stage a un petit peu explosé. Donc je suis un peu cinglée parce que les laines, ça craint absolument rien. Hein, on est bien d'accord, ça ne casse pas, ça ne s'écrase pas, voilà. Mais je m'en fiche, je les prendrai à côté de moi dans la voiture. Oh punaise, il va falloir que j'alterne mes écheveaux, moi. qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Voilà, c'est tout. Je termine sur cette note-ci. Je vous dis au revoir dans cette maison. Je dis au revoir à la brique qui est derrière moi. C'est terminé la brique. La prochaine fois que vous me verrez, j'essaierai de tourner devant un des murs en pierre de la maison. Comme ça fera bien la transition. Mais quoi que ça va peut-être être compliqué, il faudrait que je trouve un spot intéressant pour tourner les podcasts. Mais bon, j'ai encore bien le temps de réfléchir. Voilà, donc je vais clôturer ici. J'espère que cet épisode vous a plu, que voilà, vous allez passer un bel été. On y arrive tout doucement. Donc même en été, n'oubliez pas de tricoter. Allez, à plus tard, salut!